Bonjour. C'est la suite d'Hyrule Warriors, l'ère du fléau, j'espère que vous allez bien. Alors on va faire quelques améliorations et ensuite on va partir à la bataille. On va mettre un nouveau combo à Rebellion. Me voilà encore plus fort. Alors du coup j'ai fait toutes les missions, encore une fois, hein. Toutes les quêtes. Ok, nouveau Y pour ses coups en l'air. Là c'est quoi? Ah bah ouais tiens. Il y a une main, et c'est la pierre céleste, la fameuse pierre d'un endroit mystique. Mais bon, je me demande d'ailleurs si c'est pas juste un truc qui vient de Zélesbourg. Enfin, c'est une référence à Skyward Sword, je ne sais pas. L'attaque supplémentaire possible après une attaque forte et renforcée. D'accord. Ça, je crois que j'arrive jamais à la faire, mais il faudrait que j'essaye un peu. Faudrait que j'essaye. Mais il faudrait jouer à Link à une main aussi pour faire ça. C'est. Le truc, c'est que. Ouais, faudrait jouer Link à une main. Pour l'instant, on le fait pas trop. Oh, les truffes. Les truffes. Ah bah tiens. Non, c'est pas des truffes. Ok. J'ai d'autres trucs, hein. Ouais, j'ai d'autres trucs. J'ai Noya, là. Un cœur pour Noya. Ouais, un cœur pour Noya. Ouais. Ouais, un cœur. Et c'est un cœur pour Daruk, ça. Ah non, c'est en combo. Nice. Nice. Très bien. J'ai essayé de level up certains persos, mais voilà, il y en a qui sont à la traîne. Ah, mais de toute façon, on a le droit qu'à Link. Donc de toute façon, peu importe. Non, bon, bah, on va laisser ça. Hein. Alors sachez d'ailleurs que oui, j'ai vu un truc. C'est où? C'est où? Non, c'est dans plus. Au secours. Non, c'est dans moins. Galerie? Ouais, c'est galerie. Voilà, je peux adopter l'équipement ou non. Voilà, donc peut-être qu'à la fin on fera un récapitulatif de tout le jeu, mais avec des vraies tenues. Peut-être. Peut-être pas. Bon, allez, let's go. Assez tergiversé, c'est parti. Let's go, le fight. Alors que l'apparition du chevalier purificateur avait animé le peuple d'un nouveau souffle d'espoir, Zelda demeurait seule à ressentir inquiétude et frustration. Elle avait beau méditer et étudier, rien ne pouvait dissiper ses peurs. Un jour, Zelda était partie étudier des reliques en compagnie des pilotes des créatures divines. Et il s'apprêtait à rentrer au château d'Hyrule sans rien avoir trouvé d'intéressant. Quand soudain... Alors là, question que je me pose quand je vois le truc des gangs des Yiga, ce qu'ils disent branche dissidente du clan Sheikah, oppressé par la famille royale d'Hyrule il y a 1000 ans, et qui vénère maintenant le fléau Ganon. Est-ce que ça, c'est une référence à la guerre justement entre les Iliens et les Sheikah, qui est, on va dire, l'essai suggéré, enfin, hein, voilà, qui a eu lieu avant Ocarina of Time. Je pense, hein. Mais voilà, juste. Que dois-je faire? Si je ne parviens pas à éveiller mon pouvoir... Hein? Pardon? Alors attendez, parce que... J'ai un doute là sur la mélodie, mais... De Touloulou... Non, c'est pas le chant... Ah putain... C'est la mélodie de Lonlon ou pas? Ou c'est celle de... C'est dans Ocarina of Time, mais j'arrive plus à me rappeler. J'arrive plus à me rappeler laquelle c'est de mélodie. Est-ce que c'est... Non, c'est pas le chant des Ponins. Parce que le chant des Ponins, normalement, c'est lié à Link. Non, mais... Oui, non, c'est le chant du temps, non?
Tout simplement, en fait. Ok. Mais est-ce qu'il y aurait une partie de la maman de Zelda dans le robot? Mon son est fort, quoi. Jusqu'en... C'est étrange. Non, le touloulou, touloulou... Ouais, non, c'est... C'est le chant du temps. J'ai un doute. C'est le chant du temps ou si c'est le chant de Saria? J'ai un doute. Il faut que je fasse quoi, moi? Parce que je me balade, hein, mais... Mais là, j'ai qu'un perso, donc... Non, alors... Voilà, ça, c'est l'attaque supplémentaire. C'est vrai qu'on a la Master Sword, maintenant. Faut que je fasse X après, hein. Non mais arrête. J'essaye deux trucs mais ça marche pas. Hein. Voilà. Non mais là j'ai pas pu. J'ai pas pu faire l'attaque supplémentaire. C'est pas clair hein, cette sorte d'attaque supplémentaire encore pour moi. Non parce que là c'est juste... Bon. Écoutez. On va se contenter de taper, hein. Bonjour. Non mais oui, non mais... En fait, jouer super. Magnifique. Y'a pas moyen de sauter sur le bouclier, là? Y'a pas une... Je sais pas comment j'ai fait ça, mais d'accord. D'accord. Bam! Je pense que là j'ai full combo pour l'épée de ce côté du côté Y. Je suis pas sûr qu'il puisse enchaîner quelque chose après ça là. À la limite s'il y a un petit coup des stocks en avant. Éventuellement. Non, pas sortir le varavol. Ouais, il y a un fort là-haut. Ah mais il faut que je me... J'ai un truc en fait, j'ai un timer. Quel connard. Allez. 3, 4. Ah, ça c'est mon combo préféré, hein, cherchez pas. C'est vrai qu'il y a ça aussi, ouais, qui est sympa. Ah voilà, t'es là toi. Ok. Du coup maintenant c'est par là. Non mais oust. Allez-vous-en vous. Strike. Sinon je fais ça, ça. Non. Toujours pas. Non c'est juste ça et ça. Voilà. Bon. Je suis pas sûr que je gagne du temps en vrai. Pas sûr. Bam. On est en train de détruire le camp quoi. Attendez le loot. Attendez, il y a du loot. Oh. Je crois que j'ai un peu amélioré la Master Sword, mais pas beaucoup. J'ai pas trop osé. Ou je l'ai pas amélioré du tout, je sais plus. Je sais plus si j'ai pas osé ou j'ai un peu amélioré quand même. Je crois qu'un peu. Mais en fait, je sais pas si ça a un intérêt que je garde les armes en bois et la louche du bonheur. Ou il vaut mieux que je les fusionne. L'OST est génial, hein. D'ailleurs, au passage. Non mais... Ah, ça c'est l'attaque supplémentaire.
Bam! Ok. Ça, c'est gratuit. Ça me fait plaisir. Je vous avoue, ça me fait plaisir. Bam! La violence de Link, quoi. Et du coup, ah. Oui, non, voilà, là j'ai plus tous mes cœurs. Du coup, je fais plus les faisceaux. Logique, on me dira. C'est bon, c'est passé. Mais non, mais au secours! Non, mais approche! Rapproche-toi! Voilà, finish him! Mais non! Au secours, les esquives! Hein. J'ai encore un peu du mal sur les esquives! Juste un peu! Ok. Non mais j'ai encore 18 minutes pour aller à l'objectif. Je veux dire, j'ai le temps de me faire des mobs encore. Ouais mais non, non. Merci. Voilà. Merci Link. Oh. Attendez, donc je cours et je fais ça, ça fait le bouclier. Bon, les dégâts sont discutables, mais d'accord. Peut-être un moyen de sprinter comme ça, non? Peut-être moyen de sprinter. Oust. Sortez de mon fort. Il est où le boss là? Ah merci. Faudrait viser, hein. D'accord. D'accord, on en reparlera. Non mais j'ai pas du bon côté là. Au secours la map. Au secours la map. Maîtrisez la map. Non. Ouais, ouais, c'est ça. Prends des bombes dans la gueule. 16 minutes, ça passe. Sachant que le temps se fiche quand je fais des exécutions et des... Ça, je peux vous le dire d'expérience avec l'émission. Je vais appuyer sur le bouton esquive. Aïe. Ouais, voilà, bon, là non. Là, j'avoue, non. Boum. Après, il y a encore un autre mob vénère de l'autre côté là. Ouais, il y a un moblin là. Ouais, il y a un moblin là. Là. Trop tôt. Non. Pas le bon coup. Mais non! Non, alors je voulais pas refaire ce coup, mais d'accord. Ah, quoi que c'est peut-être ça le fameux coup qui est en commun. C'est pas sur cette arme qu'il y a un coup en commun avec les deux derniers combos. Je crois que c'est ça.
potentiellement. On va dire ça. Hein. Salut. Ouais. Permettez. Hein. Je vais me faire passer. Ouais. Un jour les esquives. Un jour ça rentrera. En attendant. Attendons, on fait ce qu'on peut. Mais qu'est-ce que vous faites, vous? Bam! Bon, en vrai, il devait y avoir Kourougou là, hein, à mon avis, de caché, mais. Mais non, mais. Pas juste. Ouais, ouais, ok, là, c'est bon, là. On va se calmer le nombre de mobs. Hein. C'est propre. Mais. Il est où l'autre? D'accord. Non mais en vrai j'ai encore le temps, j'aurais pu fouiller. Hein. Bonjour. Non mais. Non mais arrête, arrête. Bon, j'arrête pas. Hein. Adieu Mifa. Oh la vénéritude. Ah mais ils sont les 4 là. Salut hein. Ah, je vous tape hein, mais c'est pas contre vous hein. C'est juste vous êtes là quoi. Non mais tue-les. Ah bah ah oui d'accord. Ok. C'est terminé. C'était les illusions. Du coup a priori hein, de Astor. Le méchant principal supposé de ce opus. Donc, pour l'instant, c'est pas grand chose sur lui. Hein. Je vais éviter de trop en parler. Pour éviter de dire des conneries. Mais. Ça me fait plaisir. Non mais. Tu as ouvert le coffre? Merci. Mais ouais, ça fait poser des questions, on va dire. Personnage. Il est intriguant. Bon, ça ira. La baguette de glace, on s'en remettra. Bam. Ouais, j'ai moi. Hein. J'ai mon coup fatal. Hein. Mais. Le truc, c'est que j'ai Link, quoi. Est-ce que Link, il a vraiment besoin? Bon, ok, toi tu... Hein? Trop proche. Boum. Ah d'ailleurs, j'ai vu que dans le lore, il justifiait l'amplification de la puissance de la Tabusheika par Pharas et Prua qui avaient amélioré le dispositif pour lutter contre Ganon. Et le fait que tout le monde ait la tablette Sheika, enfin plus utilisée sans le... Sans la posséder, venait du robot du futur. Voilà. Apparemment, c'est justifié comme ça pour le coup. Bon. Juste, voilà. Pour ceux qui se poseraient des questions sur pourquoi et comment les autres prodiges peuvent utiliser la tablette. Même Link, hein, parce que là, c'est Zelda qui l'a normalement. En réalité. Bah, c'est pour ça. Y a du monde là, non? Y a du monde ou c'est moi là? Ouais, ouais, c'est le bon moment là. Qu'est-ce qui s'est passé? Non mais. Achève-le. Je t'en supplie. Aïe.
Mais non, mais... Pire timing d'esquive, quoi. Ah, par contre, j'aime pas trop là, les dialogues qui sont en train d'avoir lieu, là. En mode, ah ouais, regardez Link comme il est trop fort, regardez Link. Genre, j'espère qu'on va pas se faire casser la gueule dans pas longtemps, quoi. Parce que... Parce que bon, trop de confiance... Trop de confiance, généralement, ça... Ça finit par... Ah attendez, deux ou trois? Non, deux. Non, il y en a que deux. Bon, ça va. Mais non! Alors, un jour, j'arriverai à retenir le bouton hein, sur cette attaque. Mais non, mais... Toujours pas. Je vais esquiver trop tôt encore. Hein. Non mais sinon tu vois là, focus le bon peut-être. Un jour. Je peux pas monter? Non. Évidemment je suis du mauvais côté. Au secours. Au secours. Mais non mais... Alors, c'est pas que je suis coincé là, mais. Un peu, hein. Mais non, mais. Voilà. Ah! Là, il est monté. Ah, saloperie. Comment ça, tu tankes? Voilà, je tanque plus là maintenant. C'est bon là. Aïe. Attends. J'ai eu confiance hein. Mais non mais. À chaque fois je relâche le bouton. Mais non mais. Attendez, hein? Ouais, voilà. Secours. Bon, en vrai, niveau temps, ça va aller largement. Bam. Ouais, ça lui détruit ses bras. Hein. C'est comme le vrai. Comme le vrai. Par contre, du coup, il va pas. Ah si, one shot. Très bien. Bah voilà. Mission accomplie. Ah, Zelda, c'est la forme. Grande forme pour Zelda. Grande confiance. Ça fait plaisir. T'as niveau 27. Ah ouais. Ah, on a un peu level up. Ah, une épée rouillée. Ah. Ah ouais, non mais... Ah ouais, ouais, ouais. Ouais. Alors, du coup, on peut virer ça. On va virer celle-là, parce qu'en vrai, elle est... Ah ouais, mais... Au secours. Bon, en vrai, on va virer ça. Faut que j'en vire encore. Je sais pas quoi virer. On va virer ça. On va virer ça. On va virer les trucs qui ont pas d'effet. Hein. Bon, j'en ai viré trop, mais c'est pas grave. Tant pis. Voilà, ça y est, je suis arrivé au moment où j'avais trop d'armes. Ok. Du loot, du loot, du loot. Du loot. Alors que le fond vert. Lui est de plus en plus fort. Alors que moi, de mon côté, c'est bien ce que vous pensez, n'est-ce pas? Ces derniers temps,
Les monstres sont de plus en plus nombreux. Sans doute un signe que le fléau se rapproche. Alors, le temps nous est compté. Et pourtant, j'attends toujours que mon pouvoir se manifeste. Madame. En vous comparant à Link de la sorte, il me semble que vous faites fausse route. Regardez-le. Vous trouvez qu'il a changé depuis qu'il porte son épée? Pas le moins du monde. Il est toujours prêt à relever les défis qui lui semblent à sa portée. Je pense que c'est tout ce qui lui importe. Et vous? Vous n'êtes pas tellement différente de lui. Songez à tous les efforts que vous avez fournis. Oui, mais dans mon cas... Vous impatienter ne sert à rien. L'arbre Mojo vous l'a bien dit, n'est-ce pas? Tout ira bien. Vous n'avez aucun reproche à vous faire. Mais vous devez croire en vous. Merci, Urbosa. Les pilotes des créatures divines et le chevalier purificateur joueraient un rôle essentiel face au fléau. Le roi les rassembla tous les cinq pour une cérémonie d'intronisation qui les consacrerait en tant que prodiges. Sous les acclamations du peuple, la cérémonie se termina sans encombre. Les prodiges allaient pouvoir profiter d'un bref moment de répit. Comment ça, on n'a pas une cinématique pour ça? Je suis triste, choqué, déçu. Ah ou non, c'est la cinématique de l'OTW. Peut-être. Ça y est, on dirait que notre équipe chargée de sceller le fléau est enfin au complet. Avec le chevalier purificateur et les quatre prodiges à vos côtés, vous serez bien entourés, votre Altesse. Tout ira bien. Veux-tu bien arrêter de nous déranger? Contrairement à toi, son Altesse est très occupée. Oh! Dis donc, toi! Oh! Si tu tiens autant à son Altesse, tu pourrais le montrer! Oh! Et te comporter mieux que ça! Allons, vous deux. Arrêtez de vous chamailler. Profiter ainsi de la gentillesse de son Altesse, tu n'es vraiment pas possible comme gardien! Dis, Daruk, à propos de ce dont je t'avais parlé... Ah, t'as dit que tu voulais t'entraîner, hein? Je suis disponible quand tu veux. Merci. En fait, je voudrais devenir plus forte pour pouvoir... Non, ce n'est rien. Va-t'en. Non, laisse-moi tranquille. Allez vous chamailler ailleurs. Hey, attends un peu, toi. Oh, arrêtez! Ah, je vous jure. La fine équipe. Ok, bon. Du coup, là, j'ai encore débloqué 4 milliards de combats. Voilà. Ah ouais, non mais... Vraiment, quand tu... Vraiment les 4 milliards de combats, en fait, du coup. Super. Et on va faire le repère d'Akala, en vrai. En vrai, on va continuer l'histoire, hein, parce que... Emplacement pour les 1 plus 2. Oui, non mais d'accord, mais... voilà, piloter la créature, tout ça. Enfin, de toute façon, voilà, vous savez, je vais... Restauration des cœurs améliorés. Ok. Nouveau combo pour Evali. Je compte faire encore mieux. D'accord. Un nouveau combo, un nouveau Y. Donc ça c'est jauge plus 1. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Dégâts causés par les ennemis moins 5%. Expérience obtenue des ennemis plus 5%. Ça oui, ça me paraît bien. C'était vraiment impressionnant. Ok, bah, du coup on peut faire ça aussi. Donc on va le faire. Histoire 2.
Voilà, des meilleures tenues. Je pense que ça sera très utile à Link. Nouveau combo pour Daruk. On prend. Vraiment, on prend. Boum. Ok, bon, de toute façon, après là, je peux rien faire d'autre. Si, il y a un truc là. Oui, mais c'est pour Evali, on s'en fout. Non, en vrai, on s'en fout pas. Non, mais. Ouais. Ouais. Ah! Ah, et Ebra est content. Et on. Ouais, bon, on a des récompenses. Pour l'instant, c'est pas ouf. Hein. Pour l'instant, bon. Je compte faire encore mieux. C'est des compos. Je dirais c'est des compos. Toujours ça. Après, est-ce que faire les quêtes? Je crois pas. Je sais pas si faire les combats ça m'augmente ma barre. Parce que du coup, c'est possible que ça augmente la barre à la fin. Oui, non, mais. Super, tu veux quoi? Tu veux que je fusionne mes armes? Super, ouais, ouais. Du coup, non, l'épée de légende, je l'ai pas fusionnée. Parce qu'en fait, le truc, c'est que. Est-ce que je fais ça? Ou pas, quoi? Parce que ça peut être fort sur l'épée de légende, ça. Je sais pas. Moi, c'est ça le doute que j'ai. Après, bon, le temps que cet épisode sorte, j'aurais peut-être fini le let's play. Hein. Peut-être pas, mais. Je pense que j'aurais amélioré l'épée de légende d'ici là. Ah oui, voilà, dérouiller. Il faut qu'on dérouille ça. Frappé contre une arme en métal sur Silex. Hein? Hein? Ouais. Il me faut 30. Moi je vois des griffes, je donne des griffes. Hein. Et 100 parchemin. Voilà, 100. 100 certificats de beaucoup blanc. Hein. On va donner tout. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, ouais. À la limite, je peux faire ça. À la limite, ça peut devenir ma nouvelle arme. Non, mais attendez, j'ai quoi sur ça? Ah ouais, non, j'ai plein de trucs sur ça. Ce serait du gâchis de faire ça, non? Du gain infligé par les attaques fortes. Après, c'est là où il faut. En fait, techniquement, là, il faudrait que j'ai des sauts qui soient les mêmes. Genre là, normalement, ça devrait pouvoir améliorer mon truc. Ah ouais, sauf que c'est mon espadon. Donc pas touche. Ouais. Parce que là, je fais plus, plus, plus. Pas un moment, j'ai un plus. Ah là, j'ai un plus. Ouais, mais. Ouais, mais. Ouais. Allez, ouais. Ah, on fait ça. On fait ça. Bon, un jour j'améliorerai l'épée de légende. Hein. Un jour. Attendez, me dites pas que. Non, mais voilà, j'ai toujours pas touché à ça. Je sais pas si je peux y toucher à ces objets en fait. J'ai un doute. Ok, bon, bah, let's go. Hein, let's go. On va essayer de profiter du fait qu'on soit qu'une demi-heure d'épisode pour essayer d'avancer et de faire deux épisodes, deux chapitres. Alors. Qui on joue? Non, mais Impa. Hein. Non, mais Impa en fait. Hein. En fait, y a pas de. Voilà. Link à épée de légende? J'ai envie de tester cette épée là, moi. Ah, en plus, il a le bouclier royal avec. D'où tu te ravis, toi? Après, c'est vrai qu'on pourrait. On pourrait lui mettre ça. Hein. C'est vrai que cette tenue là, on pourra jamais la voir dans mon let's play donc. Voilà, enfin si, mais on l'a, je crois que je l'ai déjà montré, mais genre deux secondes, je sais plus. Bref, allez, let's go. Pendant que les quatre prodiges s'entraînaient à piloter leur créature divine, Prua et son équipe de chercheurs, experts en reliques, étudiaient la tour qui était soudainement apparue dans la plaine d'Hyrule. Ils découvrirent que la tour Shaika, telle qu'ils l'avaient baptisée, n'était pas unique en son genre. D'autres tours similaires étaient enfouies profondément à travers tout le royaume,
et leur émergence semblait contrôlée par un dispositif à l'intérieur même du château d'Hyrule. Les chercheurs aboutirent à la conclusion que le dispositif de contrôle des tours Shaïka ne pouvait être activé qu'au moyen de la tablette Shaïka. Zelda décida donc d'aller étudier de plus près ces tours avec Prua et les prodiges. Encore à étudier ces reliques. Père. Pensez-vous avoir le temps de vous préoccuper de telles futilités? Eh bien... Ceci est une relique que j'avais trouvée un jour où j'étais sortie avec Mère, il y a bien longtemps. Je m'en souviens encore. Mère et moi avons beaucoup discuté à son sujet. Nous pensions qu'elle renfermait sûrement un pouvoir spécial. Mais en fin de compte, je n'ai jamais réussi à déterminer son utilité. Croyez-moi, Père, plus nous en apprendrons sur le fonctionnement de ces reliques, meilleures seront nos chances face au fléau. Certes. Mais vous oubliez que là n'est pas du tout votre rôle. Je n'ai nullement l'intention d'abandonner mon entraînement. Mais... j'essaie seulement de servir le royaume au mieux, de me rendre utile autant qu'il est possible. J'estime, pour ma part, que vous vous dérobez à votre devoir. Je vais fermer les yeux pour cette fois. Mais j'espère m'être bien fait comprendre. Très compréhensif, le papa. Et s'il restaure ces machins choses chez Ika, qu'est-ce qui se passera au juste? Il semble que cela leur révélerait instantanément l'emplacement et la nature de nos forces. C'est sûr que ça nous arrangerait pas s'ils savaient où nous trouver. Des mesures ont été prises. Le moment est venu de travailler un peu pour moi. Un peu de respect, c'est pas... c'est un ordre du Seigneur Ganon. Oh, pardonnez-moi. Un gardien abritant le fléau Ganon. Avec une telle merveille en ma possession, j'aurai le monde entier dans le creux de ma main. Ça paraît incroyable. Peut-on vraiment contrôler le pouvoir du fléau Ganon aussi facilement? Comment ça? Alors ceci dit, ça peut expliquer pour comment il a pris possession de tous les gardiens, mais... comment ça? Thank you.
incroyable. Tout s'est passé sans problème. Dans ce cas, autant continuer sur notre lancée. Allons restaurer toutes les autres tours. Après avoir réussi à réactiver la tour de la plaine, Link et ses compagnons se mirent sur les instructions de Prua à restaurer les unes après les autres les tours qui étaient apparues aux quatre coins du royaume. Mais l'ennemi n'avait pas l'intention de leur laisser le champ libre. En arrivant à la dernière tour, celle d'Akala, Link et ses compagnons allaient découvrir que le gang des Higa les attendait de pied ferme. Oh, la forteresse Akala. Aïe. Je crois que c'est le dernier bastion à être tombé sous le joug du fléau, un truc comme ça, non? Enfin, il y a une histoire, il y a toute une histoire autour de la forteresse. Quoi? Ok. Allez, c'est parti. Donc ouais, genre, est-ce que ça veut dire que, réellement, ils se sont dit on va sceller Ganon? Genre, quand ils ont affronté vraiment Ganon avec tous les gardiens. Du coup, dans le passé. À l'occasion du coup de la restauration des gardiens là. Est-ce qu'ils se sont dit, ah bah tiens, et si on... Comment je fais là? Je vais vraiment faire tout le tour? Non. Oui, non. Est-ce qu'ils se sont dit, ouais, on va le sceller dans un gardien? Est-ce que c'est vraiment ça qui s'est passé? Ou il y a une autre raison pour laquelle il est dans un gardien? Vous activez un gardien pour dégager la voie. Bon, en tout cas, toi, ouais. Non, mais non, toujours pas. Et bam! Ah, mais attendez. Parce que là, j'ai des gens. Là, j'ai un crew. Donc Impa, tu vas aller là. On va parier qu'il y a... Ah mais... Est-ce qu'on parie vraiment qu'il y a un truc à faire là-bas, quoi? On va dire qu'il y a un truc à faire là-bas. Sinon, bah adieu Impa, quoi. Aïe. Bam. Prends quand même tarif, hein. Il est quand même survénère notre Link. Hein. Oui. Au secours, je vais au calme. Le gardien là. Je m'en occupe. Je suis inquiet moi à voir ça. Hein. Moi ça m'inquiète hein, de voir un gardien. Hein. C'est vrai que je les ai quand même associés. À peu près directement au fait que c'est des menaces. Là c'est quoi, c'est censé être un labo? Un des labos? Oh mon dieu! Saloperie. Saloperie, je vois ce que t'es... Mais attendez, hein? Non. Il est pas censé être là normalement, ce truc là, ce brasier là. Ou alors la zone a été tellement dévastée que c'est devenu... Hein? Parce qu'en vrai, ce chemin-là, ça me fait penser un peu à ce qu'il y a autour, mais il n'y avait pas du tout de bâtiment, quoi. Link. Sinon, ouais, ça servait vraiment à rien que j'aille là. Hein. Donc Zelda, reviens ici. Zelda, va là. Votre adresse, une compte sur Link. On va reprendre Link et on va avancer. Que bon, je sais pas où j'ai envoyé Impa, mais je l'ai envoyé quoi. J'ai envoyé Impa chercher les courroux. On appelle un gâchis de perso. Salut, hein. Arrêtez, hein. Je ne fais que passer. Mais attends, mais pourquoi il y a autant de vide dans cette zone là? Tant de zones dans ce vide. Quand même bizarre ça. Quand même très bizarre ça là.
Ah non mais d'accord, ok. Ah oui, je sais, je me balade, je sais pas où, mais... mais en même temps, Pourquoi y a ça, là? Bon, Zelda. Non, attends, Impa, est-ce qu'il y a un truc ici? Non. Non. Du coup, Impa, on va l'envoyer... là. Et un jour, elle servira. Promets. Ah oui, du coup, là, on a un nouveau combo avec Zelda. On a ça, bam. Et on a ça, non. Non, ça c'est pas nouveau ça. Toujours pas. Voilà, c'est ça. Bam. Ce coup là, on l'avait pas avant. Mais non mais... Après voilà, c'est... effectivement si la réflexion m'était faite, c'est que Zelda... En fait, elle est ultra utile pour contrer toutes les attaques de que tu peux contrer avec les tablettes Shaker. Parce que ses attaques de base, c'est les tablettes Shaker. Donc de ce côté-là, elle est assez forte. En fait, son gros point fort, c'est ça. C'est que peu importe l'ennemi qu'elle va y faire face, elle peut facilement toucher son point faible, quoi. Donc en vrai... pas le perso qui a des combos les plus impressionnants. Mais ceci dit, elle est pas incompétente non plus, quoi. Enfin, en vrai, je crois, rien que cette attaque, j'aime bien. Boum. Ta 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 ta. Voilà. Sinon, je fais quoi là, moi? Ouais, je fais Link. Ah non, attendez, Impa, il est arrivé. Est-ce qu'il y a un Kurogui? Absolument pas. Absolument pas de Korogu. Voilà, on a une fontaine là. Mais ça, c'est là où il y a l'Inel, ça. Ah ouais, là, c'est la place où il y a l'Inel, ça. Ah non. Attendez, je confonds. Non, c'est ça, parce que là, c'est les gorges de l'Anel. Ouais. Donc ouais, c'est ça. Par contre, ouais, on est en bas. On est en bas, on s'éclate. Je vais la laisser là, hein, parce que je... au cas où il y aurait un truc qui se déclencherait ici. Hein. Mais par contre, il n'y a même pas de Korogu, quoi. Vraiment, la déception, la défaite. Non. Ah mais si, c'est Zelda qui était en fait. Ouais, non, bah... au secours. Enfin, Zelda. Hein. Mais... ah oui. J'appuie sur tous les boutons. Sauf le bon. Donc là, il va falloir que j'active sur les fourneaux. Vous êtes sûr? Sûr que vous allez activer tous les gardiens là comme ça là? Ok. Alors non, c'est pas. Ouais. Oui, non, c'est ça. Oh, boum. Ça marche bien quand même. Ok. Ah, les bananes. Bon, là, la porte, elle va s'ouvrir, j'imagine. Est-ce que vraiment... attendez, non, mais je vais dire à Impa de revenir. Parce que... ce serait bien qu'elle serve à quelque chose, quand même, un jour. Émilie, l'officier IA. Oui, non, mais... gardien à la forteresse, oui. Ah bah voilà. Finalement... donc Zelda, tu vas aller... non mais tu vas rester là.
On va envoyer Link là. Et on va jouer Impa. Parce que du coup, finalement, il y aurait eu un intérêt à l'amener là. Alors on est là. Je veux pas. D'accord. Alors bon, du coup là peut-être que j'ai besoin de Zelda. Bah ouais. Mais non mais... Ça te dirait d'esquiver un jour ? C'est miraculeux que ce soit passé comme esquive. Mais j'accepte. J'ai remporté la victoire. Je vais vous punir. Tu veux ? Tu veux ? Ok. Bam. Donc maintenant, on passe au suivant. Quoique, en vrai, le bon plan, c'est de faire ça. Et de changer de perso. Lâchez ce truc. Paf. Voilà. Et deux. Du coup, Zelda. Je vais retourner là. Et Link. Ah mais attendez, double problème ici. C'est vrai qu'on a Link. Hein. C'est vrai que c'est Link quoi. Bam! Ouais, c'est ça. Comment? Tu veux pas prendre son arme? Qui est en fer? Mais je... Non, mais voilà quoi, Link. Hein. Link. Hein. Tout simplement Link. Ok. Bon, bah, Link, tu vas là aussi. Et il me part. Au secours. Jamais d'esquive. Mais... Combien j'ai de clones là? Ah oui, j'ai tombé clone. C'est le bon moment. Paf. Ça a pas one shot hein. Ok. Bon bah c'est bon. Tout est activé. Ouais, il faudrait que je rejoue Zelda. Hein. Bam. Non mais Impa, c'est trop un plaisir à jouer. J'aime vraiment beaucoup trop ce perso. Et encore, j'ai l'impression qu'il y a des trucs que je maîtrise pas encore vraiment, genre l'enchaînement. Parce que j'ai l'impression qu'on... J'ai l'impression qu'il y a un truc que je rate. Encore, mais Impa. Bah Impa, tu vas là. Non, Impa, tu vas là. Voilà, va rejoindre Zelda. Bam. Non, par contre, c'est de l'autre côté.
Ok. Ouais. Gentil gardien, hein. Ouais. Allez. Ouais, mais attendez. Attendez, on n'a jamais vu ça. Hein. Oui. On n'a jamais vu cet endroit. Hein. Non, mais... Non. Non, mais... Voilà, tout ça pour faire ça. Hein. Bon, moi, je suis content. Alors, Link, lui, s'est dirigé automatiquement au bon endroit. Évidemment, moi, non. Mais j'ai envie de visiter, hein. Je vais avoir envie de tout visiter, hein. Parce qu'on connaît pas ce lieu. En vrai. Enfin, d'intérieur, on le connaît pas, quoi. Par contre, là, il faudrait des ennemis, hein. Ah, merci. Ok. Alors là, il y a quoi? Il y a un coffre déjà. Oh! Attendez, ça veut dire que la tour, elle sort de là? Genre la tour d'Akala, effectivement, elle est tout en haut du fort. Ah. Ouais, bah écoutez, hein, moi je suis content, je découvre. Allez, vous en vous. Et juste là, il y a des trucs. Alors, Impa, elle est jamais revenue de sa vie. Hein. Elle est en train, hein, mais... Au secours. Là, ça devrait être pas mal. Très bien. Petit Korogu là. Ah ouais, là on voit toutes les rangées de canons. Ça ici on connaît, ouais. Ok. Est-ce qu'on voit la tour? Parce que la tour, elle devrait monter en haut, en fait. Quoique après... Je sais pas où elle est censée exactement être. Voilà. Totalement. Mais... pour moi, elle est tout en haut, hein. Genre là-haut. Ah bah voilà, on la voit là. Ok. Très bien. Très bien. Ça me donne envie de retourner à son endroit, d'embrasser aux oreilles, hein. Encore une fois. Ah, Impa. Impa qui finalement a décidé de suivre Link plutôt que Zelda. Bonne initiative. Aïe. Ouais, ok, c'est bon. En avant. En garde. J'arrive. On voit pas. Ouais, c'est bon. La caméra a du mal là, mais. D'accord. Ah, attendez, hein. Ah.
Bon bah tous ici. Allez. Qu'est-ce que tu fais là toi? Trop tard. Ah, ça pète un peu de partout. Ah, j'avais pas les trois. Ah bah là j'ai les trois. Nimpo. Invocation du crapaud. Elle invoque un petit Gamakichi. Oh, je l'ai fait une esquive. Aïe. Allez-y les clones. Non, non. Très bien. En plus là j'ai mon A je crois. Attends. Laisse-moi absorber ton symbole. Adieu. Bon. Hein? Comment ça il est pas mort? Saloperie. Non mais il me part. Hein. Non mais juste il me part quoi. Juste il me part. Voilà. Trop bien ce perso. Non mais... Tu veux pas enchaîner sur... Voilà. C'est bon, je vais mettre 3 clones. Au secours. En garde. Boum. Voilà. Non mais c'est un délire ce perso hein. Genre vraiment trop agréable à jouer hein. Ah mais il est là. Deux symboles, plus qu'un. Et voilà. Et là je mets la max. Et Link qui met des dégâts à côté. Bon y'a que Zelda qui est pas. Qui suit pas mais. Pas très grave. Je veux dire, après cette invocation de crapaud. Osez me dire que c'est pas Naruto. Osez me dire que le perso il a pas. Il a pas. Ils ont pas pensé à Naruto, c'est pas possible. Je refuse d'y croire. Par contre il est parti où? Parti où ce petit bâtard? Là? Ah il doit être là-haut. Oh ouais ouais ouais. Oh les bananes.
Ouais, ça c'est le camp des Higa. Le gang des Higa ici. Ah, attends, par contre, je veux juste visiter. Y'a quoi là? C'est la tour. Ouais. Mais attends, on peut monter. Ouais, bon, mon avis. Est-ce que c'est vraiment fini? Est-ce vraiment fini? Qu'est-ce que t'as cru faire, toi? Aïe! Ah ouais, ouais, c'est violent quand même, ça. C'est haut. On va se calmer. Bon, au moins, lui, il est mort. Et toi, maintenant? Maintenant, faut juste reculer, en fait, dans son attaque, hein. Non mais merci. Merci, j'ai eu le bon timing sur les bombes quoi du coup. C'est bon? Ah mais non mais attendez, y'a quoi là-haut? Oui. On pouvait monter. Mais on pouvait peut-être descendre juste. Oui. Hein? Ah ouais, on devait pouvoir descendre par là. Peut-être. Bon. Écoutez, on a repris Akala. La vidéo fait une heure. Normal, j'ai envie de vous dire. Et des nouvelles armes. Toujours plus d'armes. Et un cœur antique. J'aurais dû regarder la description. Il y a peut-être des trucs utiles dans les descriptions en vrai. Des objets. Tandis que cinématique. Regardez comme la vue est belle. C'est magnifique. Pourquoi? As-tu découvert quelque chose? Ah, je vois. En connectant la tablette Sheikah au terminal... Pourquoi? Votre Altesse, on dirait que cette tour enferme une incroyable puissance. Il semble qu'à l'origine, ces tours Sheikah étaient des édifices censés détecter la résurrection du fléau. Au moyen du terminal, la tour transmet des informations sur son environnement à la tablette Sheikah. On peut ainsi voir en un instant toute la géographie d'Hyrule et les mouvements des monstres. Ça veut dire que nous pourrons établir notre stratégie tout en suivant les déplacements de l'ennemi? Exactement! Bon, plutôt qu'une longue explication... Le mieux est peut-être de passer à la pratique. Tuut, la pratique. Ça a l'air méga fort, ça. Cette possibilité de la tablette Sheikah, quand même. Mais par contre, il n'y a pas intérêt à ce qu'il y ait des mauvaises infos qui soient données dessus, quoi. Hein. Parce que si tu penses que tous les ennemis vont attaquer par le nord, et qu'en fait ils attaquent tous par le sud, ça peut être compliqué. Bon, en même temps, le nord du château d'Hyrule, c'est de l'eau, mais... en l'occurrence. Mais bon. C'est quoi ces étoiles, là? Oh, au secours. Non mais oh! C'est bon? Ah, c'est bon. Ah, merci. Éradication du gang des Higa. Niveau 33, niveau conseiller. Épreuve des grandes fées débloquées. Et parmi les ennemis principaux, par exemple, là, j'ai pas de... Hein? C'est quoi? La grande fée des neiges? Ouais. Une passion détonnante. Recharge des bombes à distance plus rapide. Impressionnant! Bravo! Uh-huh.
Non, bon, il faut qu'on arrête l'épisode là. Pourquoi il y a un cœur maintenant? Ah non, c'est juste le cœur qui était placé. D'accord. Bon, c'est quoi les étoiles là? Taux d'accomplissement 20%. Si vous résolviez tous les soucis des habitants d'Hyrule. Donc enfin, le royaume tout entier reconnaisse un bonheur sans nuage. D'accord. Ça va me donner un set d'armure. Résolver tous les problèmes des habitants du centre d'Hyrule. Ah oui, d'accord, là c'est le centre d'Hyrule, là c'est tout Hyrule. Ok, d'accord, bah c'est l'achievement, c'est des succès quoi. Ouais, ok. Très bien. Bon. Alors attendez, est-ce qu'on a 12 milliards de trucs, hein. Prix moins 10% dans l'Est d'Hyrule. Ouais. On va juste regarder un peu tout ce que c'est, hein. Nouveau combo pour la tablette. Attendez, ça je prends. J'ai réussi. Ça je prends par contre. C'est important. Nouveau combo pour Hyrule, ça aussi je prends. Je veux dire... Non, non. Bah, de toute façon, tout ce qui est nouveau combo... En vrai, je sais pas si je prends pas... Parce que pour l'instant, j'attends avant de prendre les combos, etc. Mais peut-être que je le ferai, hein. Peut-être que je prendrai des combos... pour le prochain épisode. Hein. Mais juste les combos. Parce que bon... Après, ceci dit... Après, ça me permet de voilà... Moi, vous savez à peu près quel combo il y a en termes de liste aussi. C'était vraiment impressionnant. Tac, ok, on augmente les... Ah oui, ça. Ouais, non, mais... Ouais, bon, d'accord. Mais bon, d'accord. Bon, c'est bien, mais... Nouveau combo pour Mipha. Let's go. Suis-je devenue plus forte? Tarif réduit au champ de manœuvre. Ah oui, ça, c'est pour level up les persos, ouais. Truc que je fais jamais, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a deux... Recharge... Ah oui, recharge cinétique plus rapide, ok. Et là, recharge polarise plus rapide. Bien joué. Très bien. Et là, voilà, bon là, j'ai 40 milliards de combats, attendez. Niveau des combats... Ouais, escorte du messager, traversée du désert, épreuve moyenne de glace, requête de l'aubergiste... Qu'est-ce que j'ai en récompense? Est-ce que j'ai des trucs... Pas de tenue? Ah si, là j'ai une tenue. J'ai beaucoup de... Ouais, ok. Bah écoutez, en tout cas là on va s'arrêter. Moi je vais faire des combats en off. Hein. Voilà, tout simplement. Et on se retrouvera du coup la prochaine fois pour la suite du coup du Let's Play sur Hyrule Warriors. J'espère que ça vous aura plu. Qu'est-ce que c'est que ce symbole? C'est Kilton? Attendez. C'est Kilton, ça? Ah, c'est Kilton, ça. Ça, c'est Kilton, ça. Ah, non, mais attendez, oui, mais c'est du compo de monstre. On se les fera. On les ferait venir. Bon, Kilton, je vais attendre. Avant de vous le... Je vais attendre, du coup, la prochaine fois. Mais je le prendrai pas avant. Ok, bah écoutez. Moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Bye bye.